c'est beau, la nature, le fleuve, les arbres. Te rappelles-tu les étés que nous passions à Boucherville lorsque nous étions enfants? Ah oui. Je me souviens surtout quand on allait se baigner dans le fleuve. On avait du plaisir, l'eau était bonne. J'entends encore maman nous dire, n'allez pas trop loin les enfants, il y a du courant. Ta mère était toujours inquiète. Mm-hmm. Je me souviens aussi quand papa arrivait avec ses pêches miraculeuses. Avec le sourire, comme on dit, fendu jusqu'aux oreilles. Ah, qu'il était fier de ses prises de pêche. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était les promenades en chaloupe. C'était tellement romantique. On entendait le clapotis des vagues. On voyait le reflet de la lune sur l'eau. Toi, tu es encore romantique, ma fille. Ça ne change pas. Hein? Moi, là, un beau moment, là, c'est quand on s'installait tous les deux. Les yeux fixés vers le ciel. Et on observait les étoiles filantes. Te souviens-tu quel merveilleux spectacle? On entendait le chant des criquets. Et toi, qui n'arrêtais pas de me faire peur avec tes histoires de bonhomme 7 heures. Moi? Oui, mais dans le temps, ma fille, là, le bonhomme 7 heures, c'était vrai. Ensuite, on allait se promener dans le village. On regardait les maisons. Puis on piquait un brin de jasette avec les visites. Tout mon chéri. Ah, c'était le bon temps. Bon, tout ça pour dire que, dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Au milieu du 17e siècle, Pierre Boucher, alors gouverneur des Trois-Rivières, reçoit la concession de la seigneurie des îles Percées. Ainsi commence l'histoire de Boucherville. Pendant plus de 200 ans, le petit village situé en bordure du fleuve Saint-Laurent tire sa subsistance de sa vocation agricole. Puis, à la fin du siècle dernier, et ce jusque vers 1950, Boucherville devient un endroit de villégiature à la mode. Comme l'a écrit un ex-villégiateur, Jean Bruchesi, dans ses mémoires publiées en 1957. L'air qu'on y respirait était vif et sain. On y trouvait de l'espace, du calme et de la verdure. Les arbres y abondaient, comme aujourd'hui encore. L'horizon n'était pas celui qu'on a en face de la mer. Il n'était cependant pas étroit, même si les îles verdoyantes, peu boisées, dissimulaient la rive nord du fleuve, au-delà desquelles, quand venait la nuit, Montréal et ses faubourgs brillaient de tout leur feu. Les différents moyens de transport disponibles contribuent à faire de Boucherville une destination vacances appréciée. Encore une fois, Jean Bruchesi résume bien la situation qui prévaut à cette époque. Par la route, en empruntant le pont Victoria, il fallait compter au moins 2 bonnes heures au trot modéré d'un cheval pour couvrir les quelques 12 milles qui séparaient la ville du village. On préférait le train, qui reliait 2 fois par jour la gare Bonaventure à Sorel, en passant par Boucherville. Mais le voyage se faisait plus agréablement par bateau. Les villégiateurs aiment bien emprunter le bateau à vapeur Boucherville, qui fait la navette à partir de l'île de Montréal. Ce dernier cesse ses activités en 1934. Le printemps, quand on attendait le Boucherville, vous savez, mais là, c'était nouveau pour nous autres. Là, il avait couché tout l'hiver à Montréal. Là, il s'en venait au printemps, dans la rivière ici, là. Hein? Puis là, quand il arrivait près d'ici, là, à peu près ici, là, tout le monde sur le bord de l'eau, là, avec des fusils douces, là, il donnait un coup, bang! Mais là, le bateau répondait, lui, c'était un événement, ça. Un événement du printemps. Papa, papa, le bateau s'en vient, le bateau s'en vient! Maman, j'entends la corne de brume, vite! C'est le bateau! Monsieur le curé, le bateau arrive! Le bateau arrive! Oui, j'arrive. Il t'a pas supposé. Un autre illustre villégiateur de l'époque,
l'écrivain Robert de Roquebrune décrit dans ses mémoires l'arrivée du bateau Boucherville. Le bateau pataugeait dans l'eau qu'il battait de ses grosses roues et se rangeait le long de la passerelle de bois qui partait de la rive comme deux bras tendus. Des câbles lancés du bord étaient amarrés aux bites de quai. Un graissement terrible des cordes annonçait la fin du voyage. Enfin, les passagers pouvaient descendre. J'ai embarqué, j'avais 5 à 6 ans, le capitaine Biron du bateau de Boucherville, là. Il s'appelait capitaine Biron. Il venait voir ma soeur au restaurant. Hein? Là, il me disait, quand tu veux faire un tour de bateau, gêne-toi pas. Embarque avec un voyage de foin, là. Hein? Faut filetouer, côté. Puis t'embarques de ce bord-là, là. Personne ne te voit. Tu viens t'asseoir à côté de ma cabine de vous chauffe, là. Puis là, n'importe quel temps, tu viendras toujours faire ton tour de bateau. Mais j'y étais souvent. Oh, oui. Pour les villageois de Boucherville, les arrivées et départs du bateau vapeur constituent des événements hauts en couleur. Quel divertissement que de surveiller le va-et-vient des passagers, bourgeois, marchands ambulants, et glaner au passage les dernières nouvelles. C'est l'occasion rêvée pour M. le curé de faire des remontrances bien senties, pressant chacun à ses dévotions dominicales. Au tournant du siècle, des Montréalais fortunés découvrent le charme exceptionnel de Boucherville. Certains s'y font construire des villas cossues en bordure du Saint-Laurent. D'autres achètent ou louent de belles maisons ancestrales au cœur même du village. Les habitants de Boucherville ont fait bâtir un bâtiment. Les habitants de Boucherville ont fait bâtir un bâtiment. On fait bâtir un bâtiment, c'était pour jouer dedans. Guélon la lurette, guélon la lurette. Le style victorien, en vogue à la fin du 19e siècle, influence l'architecture de ces nouvelles habitations. Ces villas d'été, généralement construites en bois, sont vastes et bien adaptées aux besoins des grandes familles de l'époque. Des personnalités provenant surtout de la bourgeoisie de Montréal se donnent ainsi rendez-vous à Boucherville et occupent ces superbes demeures. Vers la fin du 19e siècle, Joseph Israël Tarte, ministre des Travaux publics dans le gouvernement Laurier, choisit Boucherville comme lieu de villégiature. Son fils, Louis-Joseph, propriétaire du journal La Patrie, habite une villa joliment ornée d'une profusion de motifs décoratifs. Cette maison aux lucarnes, percée de fenêtres arrondies d'inspiration italienne, construite vers 1918, est la résidence de François Desjardins, un important marchand de fourrures de Montréal.
Les plaisirs d'été marquent un moment important dans l'allée. Les anciens, en cette matière, n'étaient pas différents de nous. Alors, on partait deux chaloupes, des fois trois chaloupes d'amis ensemble. Et on se baignait dans les îles, on faisait un beau pique-nique. Et puis, c'était, la vie était belle à ce moment-là. On apportait notre bière d'épinette. Alors, on aimait beaucoup venir dans les îles. Aussitôt qu'il y avait des températures chaudes et belles, on venait chaque fois se baigner. Oui, c'est bien ici que le club de Boucherville a été fondé. Évidemment, on recule aux années 1930, ce qui fait pas mal longtemps. Nous avions deux courtes éclairées, très bien éclairées, très, très, très beaux. Et nous avions en plus ces fameux peupliers-là, que l'on peut voir, qui... Il semble qu'il y en a eu quelques-uns qui ont été détériorés par le temps, mais nous avions une belle rangée de peupliers qui faisaient l'admiration des gens qui passaient par Monterville. C'était frappant. Il y avait un chalet qui devait mesurer à peu près, disons, 30 par 40, avec une toiture très haute et une belle véranda sur les trois faces, trois côtés. Fait que ce qui nous permettait d'assister aux joutes qui se donnaient, ou en fin de compte. C'était bien, bien pratique. Ici, en 1934, j'ai eu la chance d'être déclaré champion. Et j'ai reçu une coupe à cet effet-là, que je garde précieusement. Ça, c'est les preuves tangibles. Voici la raquette. Et ça, c'est la coupe. Au début du siècle, l'île Grosbois attirait beaucoup de visiteurs en raison de la présence d'une piste de chevaux de course et du parc d'amusement King Edward, aujourd'hui disparu. Il y avait trois bateaux qui voyageaient le monde de Montréal. Ici, là, il y avait des courses de chevaux comme à Bleu-Bois-Neuf, dans l'île Grosbois, qu'on appelle. Il y avait un gros scénic, bien plus gros que le parc Belmont. Il y avait toutes sortes d'amusements pour ça. Il y avait des pique-niques. Il y avait, tabou dans l'île, dans ce temps-là. Et c'est où, qu'est-ce que je faisais? J'avais une chaloupe, moi, à moi, mon père m'avait acheté. J'emmenais deux personnes dans les îles, qui lui chargeaient 15 cents chaque. Deux personnes faisaient 30 cents, non? Là, je m'en tournais dans l'île, là, pour Albert Saad de Boucherville. Il vendait les patates frites, là. Puis c'est moi qui épluchais les patates avec une machine. J'avais 8 ans, 9 ans. Ah oui. Non, c'était bien beau dans ce temps-là. Vous dites, c'était plus beau dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Ah oui. Malgré mes défenses réitérées, les gens dansent encore. Prenez garde, l'arrivée de sécheresse que nous avons eue peut revenir plus dure cette année. Il est aussi défendu de danser que de manger de la viande le vendredi. C'est péché, et péché grave. Prions aussi pour ceux qui ne sanctifient pas le dimanche et pour les ivrognes. Illustré Saint-Foy, notre Père. Heureusement, cela n'empêche pas les villageois de participer avec entrain au grand pique-nique annuel organisé par les villégiateurs. Thank you.
Plusieurs estivants élisent domicile dans de vieilles demeures, certaines datant du régime français. Joyau du patrimoine, le majestueux manoir seigneurial, construit vers le milieu du 18e siècle, a été divisé en deux au siècle dernier pour accueillir les villégiateurs. Le futur ambassadeur et haut fonctionnaire Jean Bruchesi, alors étudiant, y passe plusieurs étés. Dans ses mémoires, il en rappelle avec bonheur le souvenir. Notre maison remontait pour le moins à 1760. Les murs, faits de gros cailloux noirs et de mortier blanc, avaient près de 2 pieds d'épaisseur. Sa toiture aiguë et ses lucarnes étaient flanquées à chaque bout de cheminées à 2 gaines. Plus longue que profonde, c'était une habitation d'allure normande, faite pour durer. Elle n'était pas la seule du genre dans le village. Pas la seule à rappeler l'ancien régime. À la fin du 19e siècle, les propriétaires de la Chaumière transforment en villa d'été cette ancienne dépendance du manoir. Son remarquable œil de bœuf date de cette même époque. Restaurée en 1965, elle est depuis classée monument historique. Parfois, la métamorphose est totale. Peut-on croire qu'une habitation traditionnelle en pierre se cache sous ses lambris de bois? De style Nouvelle-Orléans, la maison Quesnel-Quintal s'adapte ainsi à la mode du jour. Le bois est le matériau de prédilection. Jeune villégiatrice, Léa Laporte, venait passer ses étés ici à la fin des années 20. Une lettre à son frère, qui étudiait cet été-là aux États-Unis, témoigne de ses souvenirs d'été. Boucherville, 10 juillet 1929. Bien cher Gérard, pour une journée de vacances, la température est idéale. Le gai soleil semble mettre ce matin en nos cœurs un regain de bonheur. Mais par une si belle journée, voir partir le bon papa et grand frère pour la ville, n'est-ce pas triste? Mais le devoir les appelle. Qu'en penses-tu, petit frère, venir à Boucherville? Nous projetons toutes sortes de choses pour le temps de tes vacances. Arrive vite. Bon baiser de Léa. Cette Québécoise aux larmiers élégants et aux proportions idéales a séduit un jour un orfèvre montréalais, en quête d'espace et de beauté. Cette demeure monumentale, restaurée et agrandie récemment, est construite en 1876 pour Charles-Eugène Boucher, fils du 5e seigneur de Boucherville, premier ministre du Québec et plus tard sénateur à Ottawa. Sa petite-fille, Corinne, épouse de l'ambassadeur Jean Désy, l'habite un temps comme villégiatrice. Elle est un sujet d'inspiration pour de nombreux peintres. Bien que centenaire, cette ancienne résidence d'été garde intacte son allure classique et sa belle dentelle de bois. L'ornementation du porche, du balcon, ainsi que de la galerie latérale, rappelle le style victorien. Le premier maire de Boucherville, Pierre Vigier, est, croit-on, le premier propriétaire de cette demeure située à un carrefour stratégique. Ceux qui lui succèdent seront pour la plupart des villégiateurs. Plusieurs Montréalais choisissent de passer leurs vacances dans les hôtels et les maisons de pension du village. Mais notre tournée n'est pas encore terminée. Elles sont nombreuses, les anciennes maisons de villégiature. Bien sûr, elles ont perdu leur vocation saisonnière. Elles sont devenues des maisons de ville, dans la ville qui est devenue Boucherville. Elles font désormais partie du riche héritage légué par les générations passées. Raconter l'évolution d'une ville, c'est aussi remonter le temps. C'est rapporter son histoire de ses origines à aujourd'hui.
c'est aussi faire l'inventaire de ce qui a disparu et de ce qui a subsisté. Aujourd'hui encore, les résidents traversent le fleuve grâce au bateau passeur qui fait la navette tous les jours d'été entre Boucherville et l'île Grosbois. L'on y cultive, tout comme autrefois, le maïs. Et, tout comme autrefois, il fait bon s'y aventurer et découvrir une nature sauvage à deux pas de la ville. Ici, on a toujours l'impression de vivre dans un lieu de vacances. Il y a eu beaucoup de changements depuis le début du siècle. Cependant, les Bouchervillois démontrent une volonté farouche de conserver leur prestigieux passé. Boucherville peut être fier d'avoir conservé une histoire aussi riche et diversifiée dont le développement de la villégiature constitue un chapitre. Il faut faire en sorte de préserver cet héritage pour les générations du troisième millénaire. Les défis restent nombreux.